Une question de Monsieur Stéphane Mazar. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, fort de votre expérience sur le terrain et sur le bord du terrain, est-ce que vous pensez qu'un stade doit être le reflet finalement de la société, avec des expressions diverses, parfois radicales, parfois injurieuses, diffamatoires, enfin bon, voilà, un lieu d'expression. Ou est-ce qu'il faut au contraire sanctuariser l'aire de jeu et une enceinte sportive de manière générale, parce que justement c'est un lieu où on doit mettre de côté toutes les aspérités de notre société et un lieu où on fait du commun et quelque chose de positif. Et à ce titre, est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin sur la recherche de ceux qui, dans une enceinte sportive, avec les moyens modernes, causent des troubles et engager des poursuites et avec des sanctions à la clé contre ces gens-là? Donc ça, c'est ma première question. Puis ensuite, une question différente, c'est la Fédération française de rugby avait eu le projet de son grand stade, à l'image de ce qui se fait en Angleterre avec Twickenham, l'appropriation de l'infrastructure sportive qui permet à partir de cette infrastructure de développer un business model. Est-ce que ça vous semble pertinent pour une fédération? Nous, on se pose beaucoup la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait améliorer le fonctionnement des fédérations. Est-ce que donner aux fédérations des moyens, notamment par l'infrastructure sportive, de développer un business model un petit peu autonome, est-ce que ça vous semble être une bonne chose? Pour répondre à la première question, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Tolérance zéro. Bien sûr qu'il faut sanctuariser les terrains de sport, les stades. On doit y vivre des moments conviviaux, de passion, de respect. Enfin, je parle de tous les sports, je ne parle pas que du rugby. Et il est évident qu'à partir du moment où quelqu'un se comporte mal, mais j'ai envie de dire, moi le premier, si je suis dans un stade et que j'entends la personne à côté de moi ou devant moi qui insulte ou qui tient des propos racistes, je serai le premier à le réprimander. Je crois que ça vient de ça aussi, quoi. Il ne faut pas attendre de tout le monde. Moi, je serai le premier à lui dire, mais comment tu te comportes, toi? Pourquoi tu parles comme ça? Enfin, je veux dire, c'est la première des choses. Donc oui, tolérance zéro. Il faut sortir ces gens des stades. C'est une évidence. Enfin, le plus beau des exemples, c'est le football anglais. Moi, j'adore le football anglais. Mais il y a 20 ans, c'était insupportable. C'était insupportable. Le Parc des Princes, moi, j'ai habité rue Negesser-Écoli pendant 10 ans. Et j'ai vu des choses, mais je me disais, mais c'est pas possible. Où on est? Les gens obligés de venir, enfin, les policiers à cheval, tellement c'était la guerre, tellement c'était des insultes de partout, les supporters arrivaient, enfin, c'était bagarre sur bagarre, c'était un fou. Je me disais, mais c'est pas ça, le sport, quand même. Et force est de reconnaître que Monsieur Leproux, je crois, de mémoire à l'époque président, a fait un travail considérable. Aujourd'hui, vous allez au stade, vous allez voir un spectacle, vous allez voir un match, tout est nickel, il n'y a pas de propos racistes. Enfin, moi, de temps en temps, quand j'y vais au Parc des Princes, et je ne suis pas dans la présidentielle, c'est terminé. Et moi, j'ai connu l'effet inverse. Hein. Bon, il y a 20 ans, j'ai connu l'effet où vous ne rentrez pas au stade. Et d'ailleurs, un jour, j'ai amené tout le staff de l'équipe de France, parce que nous étions en plein tournoi de destination, voir un match. Mais les mecs, ils m'ont dit, mais on ne reviendra plus. Et le football anglais, c'était ça. Mais aujourd'hui, allez à Liverpool, allez à Chelsea, allez à Manchester. Mais vous allez véritablement dans un endroit de paix, quoi. Dans un endroit où on va chercher des émotions, du sport. Bien sûr, on est pour une équipe, on est contre l'autre, bien sûr, c'est ça le sport. Mais eux, ils ont fait ce qu'il fallait. Et moi, je suis pour ça. Tolérance zéro. On n'en veut pas, des gens qui se comportent mal, c'est sûr. Quant à la deuxième question... C'est la première chose que j'ai faite quand j'ai été élu président de la Fédération française de rugby. Mais si on n'avait pas fait ça, aujourd'hui, nous serions sous tutelle. Nous devions rembourser 45 millions d'euros par an. Mais vous avez lu les bilans de la Fédération française de rugby? 45 millions d'euros par an, nous devions rembourser. Donc, au bout de la première année, nous aurions été sous tutelle. J'ai envie de dire, s'il y a une chose que j'ai bien fait à la Fédération, c'est d'arrêter cette folie. C'était impossible, qui plus est, à 50 km de Paris. C'était de la folie. Alors après, pour aller dans votre sens, une Fédération, elle a besoin de ressources. Comment on va chercher d'autres ressources? Mais c'est la même chose pour les clubs. Hein. C'est exactement la même chose pour les clubs qui sont aujourd'hui alimentés par des milliardaires, par des millionnaires, etc., etc. Le jour où ces gens ne sont plus là,
que vont faire ces clubs-là? Il faut construire des valeurs ajoutées autour qui fassent qu'il y ait des revenus, des valeurs ajoutées, qu'il y ait des revenus additionnels qui fassent que ça remplace ce que le milliardaire met tous les ans. Sans quoi ces clubs ils vont mourir. Et une fédération, c'est la même chose. Comment on va chercher des valeurs ajoutées? Alors, nous, notre volonté, je suppose que c'est toujours celle du président actuel, on avait dit on stoppe le Grand Stade, mais on veut négocier avec le Stade de France une fois que la convention sera terminée, pour être partie prenante du Stade de France. Nous, aujourd'hui, grosso modo, je crois qu'on payait dans les 1 million, 1 100 000 par match. On payait la location du stade 1 million, 1 100 000 par match. Moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse partie intégrante de la future convention, qu'on ne paie pas, qu'on amène effectivement toujours nos matchs, et qu'ensemble, on développe d'autres activités. Mais ce n'est pas notre métier, nous. Donc il faut s'associer à quelqu'un qui sait faire ça, qui sait faire des spectacles, qui sait faire des trucs. Moi, je pense qu'il faudrait que le foot et le rugby le fassent ensemble, viennent, s'associent dans ce futur repreneur, entre guillemets, et s'associent avec un genre qui développe le stade, et puis que ce stade te serve à avoir des revenus additionnels. Et pas nécessairement, tu payes 1 million et puis c'est tout. Non, ça nous coûte cher. Donc c'est évident que si on veut progresser, et encore une fois, cet argent, c'est pour le monde amateur. Hein. Ce n'est pas pour payer les joueurs ou pour payer le monde professionnel. Donc il faut, c'est une évidence, qu'il faut s'intégrer maintenant dans le futur repreneur du Stade de France pour qu'on ait beaucoup moins de frais et qui plus est, moins de frais et plus de revenus. Mais il en est question. Hein. On a fait beaucoup de réunions. Je ne sais pas où ça en est, bien sûr, maintenant. Hein. Mais à l'époque, on a fait beaucoup de réunions avec la DIGES. À l'époque, c'était Jean Castex qui menait cela avant qu'il soit Premier ministre. Et on a beaucoup, beaucoup œuvré pour faire en sorte de trouver la meilleure solution pour aider les fédérations à avoir des moyens supplémentaires.